Guten Tag, liebe Freunde. Willkommen in Frankenmuth. Hey, bon, on arrête un peu l'accent allemand. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ici Harley, bienvenue à Frankenmuth, une petite ville américaine créée par des colons allemands. Elle est aussi appelée la Michigan Little Bavaria. Un de mes ancêtres a fondé cette ville en 1845. Nous sommes dans le comté de Saginaw, dans le Michigan. Comme vous le voyez, je suis un petit brasseur pour l'instant, mais j'ai déjà le monopole dans mon canton. Mon ambition est claire, devenir un des plus grands, voire le plus grand des brasseurs, en conquérant tout d'abord l'État entier, puis ensuite la côte Est, et enfin tous les États-Unis. J'ai 14 clients dans la ville qui est bien fournie en bar et en magasin, et d'autres dans l'État entier. Alan du Grocery Shop s'occupe des exportations dans l'État. Il est facile à repérer, c'est celui qui a un hangar derrière son magasin. Comme ça, il stocke toutes les marchandises prêtes à ex être exportées dans l'État. Le Graal serait la pub au Super Bowl, et là, mes ventes exploseraient. Nous venons de sortir de l'Oktoberfest, qui est un des plus grands moments pour l'entreprise, où elle réalise un gros chiffre d'affaires. Dans un an, il va y avoir des clients de tous les États qui ont entendu parler de cette fête. Il ne faut pas les décevoir. On a un an pour se préparer. L'Oktoberfest existe ici depuis 1990, mais elle n'a été reconnue par Munich qu'en 1996. Un journaliste du Frankenmuth News est venu m'interviewer à propos de la nouvelle bière que je vais lancer. Je vous mets la une du journal. Il m'a dit qu'il allait ébruiter l'événement auprès de ses collègues de Saginaw. C'est un bon début. Bon, je vais vous faire un petit tour de ma brasserie. On va y aller en voiture, ça sera plus simple. Allez, on y va. Donc là, c'est mon hangar avec mon matos. Un autre petit hangar ici. Donc là, mes silos pour stocker mon orge et mon blé. Très important pour la bière. Mon petit garage pour réparer ma maison. Encore un petit hangar ici. Donc ici, j'ai ma moissonneuse-batteuse. J'ai quelques palettes là-bas. Quelques palettes de bière prêtes à être exportées. Mon réservoir d'essence. On ira faire un tour en ville s'il faut. Donc là, j'ai une première. Là, j'ai mes serres qui fabriquent les fraises. Là, j'ai les ruches qui fabriquent notre miel spécial. De l'orme des Amériques, comme vous l'avez vu dans l'article, qui a un goût très spécial, très apprécié. Donc là, on a du houblon. Ingrédient essentiel à la bière. Deux autres petites brasseries ici. Et encore ici du houblon. Là, quelques palettes de fraises. C'est pas mal. Bon, voilà. Vous avez vu à peu près ma ferme. Ah ouais. On n'a pas vu, c'est les terrains que j'ai. Donc on a ce terrain juste à côté là.
y a pas mal d'hectares, on est bien. Et il y a celui-ci aussi. Là-bas, il y a mon. Il y a mon ouvrier qui est en train de travailler le sol, prêt à planter le. À planter l'orge. Ok. Ok, c'est bien. Bon. On va retourner à la ferme vu que j'ai une commande qui vient de tomber. Ok. Donc alors, c'est pour. Alors, c'est pour Major à Walker dans le Michigan. Donc, c'est dans l'État. Un de mes clients, donc, il me réclame 20 palettes de bière blonde. Ok. 3666 dollars. Ok. Donc, on va aller voir ça. On va livrer tout de suite. Sorti mes 20 palettes. Je tiens à livrer moi-même mes clients. On va tout charger. Allez, c'est parti. Ouais, il est juste à droite là-bas, l'entrepôt. Ok, oh bah c'est cool. Donc nous on va continuer notre production et on se donne rendez-vous pour une prochaine commande. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao. Tchuss.